Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike, et aujourd'hui je vais présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la map 9. Et dans cette vidéo je vais vous présenter le tuto pour réaliser le secret les potos. Il faut savoir que je vais le faire en plusieurs parties. Pourquoi je le fais en plusieurs parties? Pour simplement que les personnes qui cherchent une étape bien précise puissent la trouver directement et ne pas chercher dans un tuto complet. Par contre, je vais réunir toutes ces petites étapes pour faire un tuto complet quand j'aurai fini toutes les petites parties que je vais vous présenter. Alors si jamais tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Première chose avant de lancer le secret, il va falloir que vous fassiez le back-à-punch, le bouclier et la mort d'Orion. Donc l'arme spéciale de la map. Si vous ne savez pas faire ces trois choses là, il y a une playlist tuto pour la map 9 en description. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist si vous ne connaissez pas ces étapes. Et maintenant c'est parti pour la première partie du secret, let's go! Pour la première partie, je vais vous montrer tous les emplacements des pièces d'Odin. Donc c'est vraiment très simple parce qu'elles ont des emplacements fixes. Alors première chose, la première pièce, elle se trouve en dessous du temple de Ra. Donc dirigez-vous en dessous, donc dans le sous-sol. Et quand vous sortez du sous-sol, juste ici, regardez, il y a une petite tasse à chope, hein, on peut dire ça comme ça, juste là. Donc vous appuyez sur carré pour la récupérer, donc c'est à l'entrée du temple de Dana et de Ra. Ensuite vous allez vers la gauche, vers Odin. Il y a une deuxième pièce à récupérer. Là c'est l'entrée de Odin, donc on est dans le tunnel de Odin. Vous continuez, vous allez passer par l'entrée de Zeus. Voilà, et là vous avez vu, il y a des petits sarcophages comme ça, et dans ce sarcophage là il y a une lame. Vous appuyez sur carré pour récupérer la lame, ensuite vous faites demi-tour et vous retournez vers le temple de Odin. Donc vous montez au premier étage du temple de Odin. Voilà, quand vous êtes au premier étage, juste ici, il y a un petit casque. Vous récupérez en appuyant sur carré. Quand vous avez récupéré ces trois pièces, vous pouvez aller les placer ici. Donc vous placez d'abord sa tête, son épée et puis sa tasse. Bon, après, vous le faites dans le sens que vous voulez, hein. Donc ça, c'est tout pour la première étape du secret. Donc si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite pour la deuxième partie du tuto. C'était Soir Cool Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.